Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et bienvenue sur la deuxième partie de Ghost Recon Wasteland. Et cette fois-ci, les amis, on va donc continuer l'histoire avec, en retrouvant bien sûr les objectifs qu'il y a à faire. Donc, retrouver Tic et Tac, là, je ne sais plus comment il s'appelle déjà. Et puis, on va faire un petit tour, visiter et bien sûr. Trouver des munitions. Revenez dans la zone d'op. Opération. Ok, c'est parti, on essaye d'arriver dans la zone d'opération. Vite, petit hélicoptère, vite. Merde. On s'est suicidé. Et aussi, je voulais dire aussi une chose, c'est que, donc peut-être dans la prochaine vidéo, on essayera le mode en ligne parce que j'aimerais bien essayer ça avec plusieurs en coop. Ça pourrait être pas mal à tester ça. Et on verra ensemble aussi. Ah, il y a plusieurs aides sur le chargement, c'est sympa. Et on testera donc tout ça ensemble en ligne sur la prochaine vidéo aussi pour voir. Peut-être même là, on verra suivant comment ça se passe. Ok. Quoi? C'est bon, j'y suis. Et pourquoi tu m'as mis ici alors? D'accord, ok, alors attendez. Ah oui, d'accord, ok, oui, je vois. Donc il faut qu'on aille récupérer ça pour pouvoir activer la mission. Et ça, c'est quoi ça? Lieu inconnu. Ça marche. Donc pour ça, il nous faut un véhicule. J'ai besoin de ton... Merde. J'ai pas cette gamme. Désolé, mon poulet, j'ai besoin de ton véhicule. Dis-moi. Deux secondes, je prends le volant. Soumizu. Vas-y, monte là. Merci. Si quelqu'un s'était donné la voiture familiale. Alors, j'ai trouvé une des médailles du cartel. Pardon, désolé. La mission est en 1,3 km. La carte est grande, hein. On dirait pas comme ça quand on regarde le truc à 1,3 km quand même. On est à 900 mètres. C'est en hauteur, mais le problème c'est que la route continue. Elle continue la route. Est-ce qu'au moins il y a une route peut-être plus tard pour monter, je sais pas. Oh, oh. Merde. Désolé petit Pablo, tu vas récupérer ta voiture dans un sale état. L'état de la voiture. On l'a éclaté quoi. Ok. Oh merde. Bon. On va continuer à pied, ça vaut mieux je pense. Désolé Pablo, ta voiture est décédée, elle est bonne pour la casse. Si je grimpais par là, là je peux. On va essayer de passer par là, on va couper directement. Ok, voilà. Ennemi dans la zone, en position de tir. Bonjour. Bonjour. Je viens visiter, hein. J'ai des beaux poulets, ça. Excusez-moi madame, je viens juste visiter. Partout où on va, partout où on flingue, il y a quand même des gamins qui arrivent à jouer. Tu craches? Oh, espèce d'enfoiré, tiens. On a craché dessus. J'ai rien fait de mal, moi. Ok, bon. 91. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu vas te faire griller. Hop, 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 moi j'en suis pour rien, mon pote. Ok. On va rester à couvert, mon pote. On va envoyer un drone parce que là. J'ai l'impression qu'il y a du monde là-bas. Cible désignée. On évite les dégâts collatéraux. Ouais. Je vois une deuxième cible. C'est quoi ça? C'est ennemi. Ouais, je crois que cette tour elle appartient au. Au Blanca. Ok, ok, ok.
Trois ennemis à éliminer, ok, ça marche. Et le dossier se trouve dans ce bâtiment là, ok. Ok, donc 4, 5. Ok, les gars, on est go. On va aller les éliminer discretos. Et pourquoi pas essayer mon sniper. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller doucement. Me trouver un emplacement pour les sniper. Quoi ? Il m'envoie. Dans ta tête. Dans ta tête aussi, je crois. Je pense que je vais essayer de grimper ce bâtiment. S'il y a des escaliers extérieurs ou à l'intérieur, hein, je sais pas. Je pense que je vais essayer de sniper depuis le haut du bâtiment. C'est quoi, c'est ennemi ça? Il n'y a pas d'escalier dans ton bâtiment. Ah, si, voilà. J'ai un sicario par là. La décharge, on voit que ça. Oh, ok. Ah, oh, qu'est-ce que c'est ça? Prendre équipement. Ah, ouais, ça, je prends. Accessoire acquis. Fusil d'assaut bouche. Compétence. Ok, ça marche. On verra ça après. Voilà. Parfait, on va prendre le sniper et on va pouvoir s'amuser. On va aller sniperiser, les amis. Ah. Ennemi, on peut zoomer plus ou pas? Non, on peut pas zoomer plus. Ok, est-ce qu'on peut respirer? Non, j'ai pas l'impression. Oh yeah, joli. Ton tour. Bingo. Ah, ils ont des otages, ces enfoirés. Merde, faut sauver les otages. Ok, vite. Ok, est-ce que vous pouvez éliminer celui-là, les gars? Voilà, éliminer celui-là. Allez, sort du bâtiment, toi. Il y a celui-là aussi qu'il faut qu'il sorte du bâtiment. Et vas-y, amène-toi. J'ai plus la cible en visuel. Quand tu veux, chef. L'enfoiré. Je regage. Bon, bah lui, c'est réglé. On s'est fait repérer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est le seul que je vais pas arriver à viser. Ne bouge pas. Et bon. Je pense. Oh, je l'ai eu. Ok. Où est-ce que c'est? Ça tire où? C'est bon, je l'ai eu. Il me tire où? Je les vois pas, les gars. Ah si, ça y est, je le vois. Ok, on va le sniperiser lui aussi. Ok, vas-y, relève-toi. C'est cadeau. Cible abattue. Ok, on descend. Hein? Oh bah. Vas-y, je descends moi aussi par là. Hein. T'as fait comment pour sauter par-dessus? Oh, merde. Je vais prendre les escaliers, moi j'arrive, les gars. Ok, on va aller sauver les otages. Les otages en priorité, après le document. Allez, c'est parti, vite. Go. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. C'est bon pour moi. Et maintenant, retour à la musique.
Allez les gars, barrez-vous vite. C'est les vacances. Allez les gars, on se barre. Ok. On va pouvoir enquêter et donc nous dire où est-ce qu'il est peut-être... On a localisé le garage où Polito planque sa voiture de sport. Localisé, embarqué la bagnole du GPS, d'accord. Où les chercher, ça... La voiture d'El Polito. Atteindre le garage d'El Polito. Ça marche. Oui. Et c'est où? Cache d'un tel. Point de compétence. Mission principale. Voilà. Naissance de rébellion. Arrêter la marque, le convoi de Santa Blanca. Hein? La voiture d'El Polito, voilà, c'est nous ça. Localisé la voiture. Voici notre mission à nous, c'est parti. Voler là. Pour que ça tombe bien que t'es là, petite voiture. Allez les gars, let's go, vite. Attendez, ça fait combien de kilomètres? 4 km 3. Les gars, changement de plan, on va prendre l'hélicoptère. Ça sera plus rapide. Allez, on descend. Ah merde, je me trompe de touche moi aussi. J'appuie sur le Y comme pour un GTA. Moi. Ok, let's go. Il y a quelqu'un qui peut piloter ou pas? Allez, go les gars, go. C'est parti, on décolle. Bienvenue dans mon hélicoptère. C'est le loucoptère. Et c'est parti. On va aller kick. Wow. Je crois que l'hélicoptère n'a pas trop aimé le. On est en train de se scratcher. Ok, c'est bon. On est bien, on continue encore un peu. On va essayer de gagner un kilomètre ou deux. Si l'hélicoptère veut bien. Allez. L'hélicoptère est stabilisé, donc on va pas chercher plus ça. On avance tout droit. Comme ça, on peut pas accélérer un peu plus comme ça. On a gagné du temps, mais c'est pas super rapide, je crois. Altitude 2092. Non, je crois. Se poser ici, on va peut-être se poser dans le tas, on risquerait d'avoir des problèmes. En fait, si je me suis posé sur le tas, les gars, vite, on descend ici vite. J'ai repéré un sicario, solo. C'est le fameux garage. Si vous repérez la voiture de Polito, passez le mot. Bien reçu. Appuyez sur un pour fixer ou retirer le silencieux. Ah, ok, d'accord. En fait, je fais ça. Et il enlève. Là, il l'a mis. Ok, ça marche. Attention, oh. Civil, c'est pas le moment de tuer quelqu'un sans faire exprès. À terre. Là, j'y vais en parfait inconnu, hein. Je fonce tête baissée. À côté de la pile de pneus. J'en ai eu un. Et dodo. Visible, là, recul. Je recharge.
faire opérer. C'est quoi ça? C'est sa voiture qui se barre? Ouh! Non! Non, je suis mort! Les gars, venez m'aider! Un médecin! Il me faut faire une piqûre dans le cul! Putain de merde! Ok! Ça va faire boum. Ça fait du bruit. Ok, les ennemis. Attends, je me fais bombarder le tout, ça. Tite, on va se mettre à couvert. Ok, je vais me diriger en direction de la mission principale. C'est-à-dire par là. Ici. Alors, localiser des points de compétences, localiser des raids logistiques, localiser des opérations rebelles. Je sais pas ça. D'accord, mission secondaire, ça marche. C'était juste là. Il me voit, il attend pour tirer le type. Tant pis pour lui. Hein. Oh. Merde, pas couvert. Non. Non, je suis mort. Certaines provinces sont plus difficiles que d'autres. La difficulté en mesure est à 5 sur l'attaque Mac. Ok, ça marche. Ah putain, on revient jusqu'à là. Opération rebelle. Les rebelles sont des alliés, les opérations rebelles débloquent des compétences d'appui. Ok, ça marche. Voilà, pour l'instant, on va reprendre notre mission principale. Activité ennemie, on se concentre. C'est-à-dire atteindre le garage. Sicario en visuel. À côté de toi. De nuit, hop, vision de nuit activée. On va y aller tranquille. Drone, à toi de jouer. Santa Blanca, envers la Santa Muerte et envers moi. Quand un homme jure fidélité. On va prendre de l'altitude un petit peu pour mieux voir ça un peu là. Est-ce que les ennemis sont revenus d'après vous ou... La loyauté lui donne l'intelligence de faire fortune. Je vois personne. C'est désert. Désolé, je t'ai fait un couillot shot. Toi, je crois que je t'ai explosé la tronche, tout court. Okay, j'ai cru voir une cible ici. Les gars, couvrez-moi. Midas. Mettre à l'abri, il faut sniper là. Ok. Ouais. Ennemi abattu. Merde, ça y est passé pas loin de la tronche. Oh. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Merci. Je sais pas ce qui m'est arrivé dans la tronche là. Ennemi abattu. J'ai repéré un autre ennemi.
Ok, lui, il y a eu. Oh. Il y a du peuple partout ici. Hein, pour localiser juste une petite voiture, on va morfler, quoi. Ok. Il est temps d'y aller à la die-hard. Cible neutralisée. Hey. Et on vous est libre, les gars. Il s'amène par ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous vous dites sûrement que vous n'avez pas à vous plaindre, qu'ils ne s'en prennent pas. Ok. Je vois pas trop où est-ce que je suis là en fait. C'est la liberté de la Bolivie. Les investissements étrangers encouragés par le gouvernement. Et là on est bien. On est revenu là où il y avait l'ordinateur. Là. Ah ouais d'accord. La voilà. Ah ouais monsieur, ça fait plaisir en fait. Non. Non. Non ! Ok les amis, donc nous revoilà revenus ici donc à la voiture en espérant que j'ai éliminé tout le monde. Alors comment ça se passe là ? Qu'est-ce qu'on doit faire précisément la mission c'est... Ah il faut voler la voiture, ok, ça marche. Allez les gars ! Sympa la bagnole. On s'appelle, on se fait une bouffe. Pleine de sang dans la boîte à gants. Non pardon, il y en a deux. Bon, ça se confirme, c'est la caisse de Yuri et Polito. Moi, une bagnole comme ça, je dis oui, même si les capotes sont d'usine. Y a un truc que j'ai jamais capté chez les narcotrafiquants. Ils se paient une caisse de luxe, ils collent des gens chromés, et ils se font mal avec dans le même troupeau mais qu'avant. C'est le genre de bagnole qui te fait peur. Super caisse, super costume, okay. Et toujours le même patelin pourri. On va improviser, on va passer par une autre route, voilà, si la caméra me permet de voir mieux quand même. Ok, voilà, impeccable. On a 2 km à faire avant de pouvoir arriver, donc j'espère qu'on va pas abîmer la voiture. Enfin, on va pas plus l'abîmer, on va dire. Oh merde, j'ai un cartel en attendant derrière devant. Bonjour, je ne fais que passer, merci. On est tranquille, même si on n'y voit pas grand chose dans la nuit. Et on y est presque, faut pas merder. C'est pour maintenant qu'il faut sortir de la route, comme je fais d'habitude à chaque fois. Voilà la voiture. Ok, Aboman et Alias a joué. Ils vont dépouiller le GPS pour identifier les adresses où Yuri et Polito pourraient se planquer. Ok, ça marque. Ça marque beaucoup. Alors les points de compétence, apparemment j'en ai 2, mais je sais pas comment les utiliser. Physique. Ah, d'accord, ok, en fait, ça dépend de... Merde, je me suis trompé de touche. Ah, je me suis encore trompé de touche. D'accord, d'accord. En fait, on a des points de compétence, plus après des points qu'il faut derrière aussi pour améliorer les trucs. D'accord, je viens de comprendre, ça y est. Ok.
Et bien écoutez les amis, sur cette fin de vidéo, on va en rester là. Et bien écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Ciao ciao les amis, et à la prochaine fois.